No, I saw some you like the image. Yes. And it's like a body of work. It's possible, yes. Yes. Ça m'a impressionné de savoir qui avait réalisé ça. Do you watch your own movies? No, and in fact, there's some of the cuts in here that you didn't recognize right away. So far, no. Non, je ne vois jamais mes films, d'ailleurs, dans les choses qu'il y avait là, il y a des choses dont je ne me souvenais plus, et dont je me suis souvenu en les revoyant. And I guess you prefer sometimes to watch some of the films of some other directors. Yes, other directors, exactly. Other filmmakers, yeah. J'ai une question pour Emma Tillinger, qui est ici, parce que c'est la productrice de ce film et qui travaille de très très longue date avec Martin Scorsese à New York, dans les bureaux de Sicilia. Ma question serait, pouvais-tu imaginer, chère Emma, quand tu es arrivée dans les bureaux, que tu serais une telle aventure? Could you imagine, when you arrived here years ago, working with this man, being involved in such an adventure like this one? No, I still can't quite believe it today. It's quite overwhelming and a great, great privilege. What was the first when you came to Aviator? J'aurais dit que voilà, commencer à travailler sur Aviator. Just one word before we introduce the Irishman about the new Dylan doc. The Rolling Thunder Review est également un film que vous pouvez voir sur Netflix, qui est un documentaire très 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 extraordinaire qui fait suite à No Direction Home, qui est un autre travail encore sur Bob Dylan. It's another kind of a film that took about 8 years to make, really. Because I didn't want to make a sequel to No Direction Home, but we tried to do something that was more, how should I say, in the spirit of the music itself and structure and style. Ça nous a pris 8 ans pour faire ce film. J'imaginais pas, j'aurais pas du tout fait la suite au premier documentaire, mais là il y avait quelque chose de cette époque-là à saisir. De l'esprit de la musique elle-même pour faire ce film. And also really the spirit of the time. Oui, the 70s. The mid-70s, Allen Ginsberg's comments. And the fact too that Dylan suggested that we interview people who weren't there. Oui, et donc c'est un film qui décrit du milieu des années 70, on voit Allen Ginsberg, le poète, et puis on voit aussi des gens, c'était qui n'était pas du tout de cette époque-là. En effet, le film est plein de surprises. Yeah, so we invented some people. Oui, donc ils ont aussi inventé des personnages. Regardez ça, c'est précieux. So, we are going to spend 3 hours and a half. each year is a big adventure, more and more. Are you getting older? It is an adventure, you're right. It is an adventure. You know, each film is an adventure. Yeah. After this, I'm kind of stunned. I don't know how to react to it. Mm-hmm. Oui, c'est comme ça. Chaque film est une aventure, et celui-ci. When you say a film is an adventure, it has to be, because otherwise, I don't know how else to describe it, but you have to want to be there making the film. If you find yourself bored or not interested, you should not be there. And therefore, a film like this, we try to do something that pushes the boundaries. À nouveau, celui-là spécialement est une aventure et que vous avez, quand vous faites le film, vous devez être à l'intérieur, vous devez le faire complètement.
suscité l'ennui pour ce photo que la participation de tout le monde est en premier de mettre ensemble. Our great friend and my Michael Hoover said that each film had to be an exploration. Mm-hmm. And you had to find out like, where you wanted to go. And he added that each film he did because he wanted to learn. To learn, yes, exactly. That's the thing, it's been curious to learn. Can I push more out of myself? Can I learn from others and the world around me? That's the excitement. Yeah. Mais je crois que c'était une exploration, chaque film était une exploration. Oui, Michael Powell, que tous les deux nous vénérions, disait que chaque film avait une exploration et que tous les films qu'il les avait faits, il les avait faits parce qu'il avait envie de découvrir quelque chose. Et un moment, il disait exactement ça. On a envie d'apprendre, on a envie de découvrir, on s'enrichit. There is something more to learn working with Bob De Niro. Yes. Well, that's why it took many years before we decided on this picture. When we did decide, it was 9 years ago, so we took some of the problems we would have shot earlier. But I was reluctant to make another film with Bob in that same year of the Underworld because we had mine so much of it. And I wondered, where can we go? What would be interesting? And Bob, when he presented the character to me, he read this book, he gave me a book, he became very emotional when he described the character. In fact, he didn't describe it, he was just emotional. And I realized, now maybe we could go there. I said, that's where we're all at anyway. Je lui demandais si on apprend encore des choses, parce qu'il faut apprendre. Quand on a tellement travaillé avec Robert De Niro, et il dit, bah justement, je pensais que on avait plus rien à faire ensemble, on avait fait tellement de films, et surtout pas un film qui se passait dans le même milieu, et que c'était pas la peine de continuer. Et puis, c'était il y a quelques années, et il y a quand même quelques années, un moment, on s'est rencontré, ça a pris du temps pour le faire parce qu'il fallait régler plein de trucs, mais il y a quelques années, Bob De Niro est arrivé avec ce livre qu'il m'a raconté, il n'a pas vraiment raconté, il a eu une manière de me le donner avec beaucoup d'émotion, il était déjà le personnage de Saint-Denis de faire le film. A lot of it had to do with just Bob, myself, Joe, all of us, the passage of time and the passage of life. Et on avait tous, moi, le scénariste, Bob, envie de parler du passage du temps et de comment la vie était. But once I understood that, the style was very clear. And I knew exactly how to go. I could tell you I did not necessarily think the film would be this length or we had gone to so much how it turned out. But I knew I had no choice. And whether it was good or bad, I had to do it. Et dès qu'on avait essayé de le faire, j'avais le film en tête, son style, ce qu'il devait être, évidemment pas ce cela, ça on ne savait pas, mais je savais que personnellement il fallait que je fasse ce film, qu'il soit réussi ou pas, il fallait que je le fasse. L'état actuel du cinéma m'a même rendu encore plus en colère et m'a poussé à faire le film, l'état actuel. May I just ask you to sentence? Parce que Marty a fait une grande campagne pour dire qu'il faut vraiment faire la différence entre des œuvres d'art et des œuvres commerciales. So there is a commercial side of cinema, and you don't pay interest in that. And there is an art side of cinema, right? There's a. I mean, there's a rainbow. Oh, yes, yes. No, I'm concerned because the commercial side has now, I feel, become completely. The terrain of the amusement park. The amusement park. And also, the films have become like amusement park rides. And so the theaters are now amusement parks. That's not what the cinema is. I mean, yes, it could be one kind of cinema, but it shouldn't take over everything else. And what's happening is that naturally there's a lot of money to be made there. And that's what's going to happen. And I think somehow the filmmakers today, younger, older, somehow have to really have to fight to get your films made, no matter how hard.
hard it is to get them made, and also to show, you know, not necessarily arguing about distribution, exhibition. I'm thinking more about getting the films made and somehow to organize, to find a way to get these shown, because there's so many venues now. Don't give up on this, and don't think that cinema is only those types of films. No. Le cinéma commercial d'amusement et puis le cinéma qui va rester un art, qui va rester une pratique artistique, et que quoi qu'il arrive, et on est déjà dans les temps d'aujourd'hui, il y a de multiples façons de voir les films, mais il est important que ces films-là, que les films que nous aimons, que le cinéma que nous aimons, soient faits véritablement, quelle que soit aussi la manière dont on les regarde. We should create our own venues. Hein? We should create our own venue, an ultimate exhibition. Chacun doit créer sa propre façon de voir, quel que soit le mode d'exhibition de ça. One Bertrand, about the script, right? About Stephen Jenkins, which I've noticed the name on some very interesting film. Yes. It worked a lot with Ridley Scott. Yes, exactly. And on this film, it's one of the great films where you have only one screenwriter. Yes. One screenwriter. I asked Stephen to do it because I love. We have worked together on a number of projects. Yes. Including Gangs in New York and a couple of others. And he, over the years, I tried to do many different projects with him, but I thought this one would be interesting because of structure. Mm-hmm. The book was Charles Brand's book was immediate concentration of structure. And he was the one, really. And so we went from that script. Donc on évoquait le scénario de version générée, c'est tiré d'un livre. J'avais déjà travaillé un petit peu avec lui, mais je cherchais à retravailler avec lui quand il m'a apporté à la fois le livre que je connaissais et le scénario qu'il m'a trouvé. J'ai trouvé que la structure de son scénario était très 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 passionnante. It is enabled the actors to feel comfortable enough to explore the dialogue, but stay with the scene. Oui. Que aussi c'est formidable, c'est que ça permettait aux acteurs de se sentir très à l'aise avec le dialogue, avec le détail, et puis en même temps. Did they improvise? Yes. But within the structure. Within the structure. Yeah. Les décisions improvisées, oui, à l'intérieur de cette structure. Exactement. Je voudrais redire à quel point on est heureux, honoré d'avoir Martin Scorsese ici dans ce festival, de le voir d'une telle fidélité à notre gare. Merci encore aux gens qui rendent la projection, c'est un grand privilège. Il y a eu une projection à New York, une projection à Londres, avant-hier, et il y a ce soir cette projection ici à Lyon, très exceptionnelle, grande exceptionnelle.